Bonjour madame. Bonjour. Bonjour mon fils. S'il vous plaît, je voudrais. S'il vous plaît, c'est quand on me voit parler avec vous. Oh madame, excusez-moi, mais en fait, je voudrais une hectarine avec une banane. Ça coûte combien? 2 euros. 2 euros, ok. Il n'y a même pas un peu. Oh madame. Ok, ça va. Dites maman que vous battez beaucoup. Merci et tout. Beaucoup mon fils. Okay. This man! Bonsoir, ma tante. Ça va bien. Ça va et toi? Comment je me bats pour ton école? La chance que toi, ta mère est morte, moi-même, pouvais mourir. Mais je ne suis pas mort. Je vends le banane à l'autre pour payer ta scolarité. C'est pas tout le monde qui a cette chance d'avoir une personne qui s'occupe comme ça. C'est vraiment quand ta mère meurt, les oncles, les tantes, tout le monde te tourne le dos. Mais moi, je suis là. Tu te tuais comme si tu étais mon fils Claudio. Tu comprends? Il faut savoir d'où tu viens. Quand tu parles, quand tu ne fréquentes pas, on te donne les trucs, tu n'as pas passé. Tu n'as pas de crédit, rien du tout. Il faut savoir d'où tu viens. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends, ma tante. Il ne faut pas qu'on gaspille l'argent pour t'envoyer à l'école. Et toi, tu ne comprends rien, absolument rien à l'école. Non, je fais comme je peux, je fais de mon mieux. En Afrique, on ne fait pas de mieux. Il faut faire plus que le mieux. Ok, ma tante, j'ai compris. Il faut faire plus. Il faut faire en sorte que on voit comme ça, on dit que mais ça, t'es un enfant fort. J'ai compris, ma tante, j'ai compris. Il faut une fois finir ta pension parce que j'ai quand même eu avoir. Il me semble que c'est 150, non? 250. C'est la vérité. Mm-hmm. En tout cas, je viens de te parler. Si tu prends plus de la pension, tu vas échouer et tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Et je suis en train d'attendre que tu me sortes de cette situation. Je ne veux plus prendre. Je veux que demain tu sois un grand homme. Il n'y a pas de souci, ma tante. Demain je serai un grand homme. Tu... Il faut finir la scolarité. Prends ton argent d'un mois. Prends la banane, tu manges. Prends un banane. Merci beaucoup, ma tante. Tout à l'heure. Tout à l'heure, mon fils. Tout à l'heure, mon fils. Parce que je suis ça, baby, je devenais mon daddy, lélé. Je n'ai que un moment que moi, daddy, parce que je suis ça, baby, je devenais mon daddy, lélé. Salut bébé, tu vas bien? Oui, toi, mon plan. Du coup, t'as ramené le téléphone que je t'avais demandé? Ah, pas avoir ton téléphone comme ton ancien téléphone différent, c'est ça? Moi, je te dis, j'ai la solution à tous tes problèmes. Ça veut dire, j'ai pas ton téléphone, mais j'ai ramené l'argent pour acheter ton nouveau téléphone. Fonca! Si, c'est gentil, dans l'amour. On ira l'acheter et tout. Ivano, c'est comment, frérot? Ça va? Ça va, Ivano? Ça va. Mais pourquoi on te voit plus en cours? Ça m'intéresse pas trop les cours et tout, frérot. Je te jure. En plus, le prof, à ce moment, il est sur le dos de tout le monde. Il a dit la personne qui ne paye pas sa scolarité ne vient pas à l'école. Et moi, j'ai payé ma porte. Toi, tu t'en es où avec la tienne? Laquelle? Je vais payer. J'avais juste un petit souci et tout au niveau de ma carte parce que j'avais trop dépensé. Après, sinon, quand je prends la scolarité, je vais la régler. Hein. Ça va alors. On fait ta l'école, ok? Vas-y, Maïdji. Voilà. Et lui là, c'est le mec le plus marrant de toute la classe. Ah ouais. Laisse tomber. Vas-y, viens en avance, on va acheter ton nouveau téléphone. Je te jure que t'es un ami. T'inquiète, mon cœur, t'inquiète. Je suis ta maman, l'unique et la seule, celle qui l'a accouchée, celle qui a porté pendant 9 mois et celle qui a poussé sur la table d'accouchement, papa. Non, mais t'es pas ma mère. On t'a dit que quand une mère, c'est une mère, ta vraie mère, c'est celle qui t'a accouché des fesses. On t'a dit ça. C'est ta tante. C'est pour ça que tu échoues. On me convoque dans l'école. Madame, s'il vous plaît. En fait, excuse-moi, madame. Je ne sais même pas par où commencer déjà. Pourquoi? Est-ce que vous avez des problèmes financiers chez vous? Je sais pas, vous avez du mal à payer la scolarité, je sais pas. Ça fait un bout de temps, l'année elle a commencé. 2 mois déjà, il n'a toujours pas payé. On l'a laissé rentrer et il ne veut pas payer. Attends, répète ta phrase. Actuellement, il exclut de l'école, madame. Mon père, répète ta phrase. Madame, le jeune homme que vous voyez ici présent, il n'a pas payé sa scolarité. Il n'a pas payé. Est-ce que vous avez besoin d'aide, madame? Tu veux m'aider? Attends, on va parler de l'aide après. L'argent que je te donne est où?
J'avais un truc à faire avec. Quelle chance! Quelle chance! Tu dis ça de... Tu dis ça de mon maman comme si j'avais pas le problème. Ouais, mon Dieu! Tu dis ça normalement, tu vas me donner le mot de tête là, parce que je vais mourir avant le temps. Voilà, l'argent que je te donne. Mais tu vas encore travailler, tu vas avoir, c'est bon. Non, je vais encore travailler pour avoir ça. Tiens, tu me frappes, c'est bon. Madame, je sais pas si vous manquez d'autorité vis-à-vis de lui, mais ce qu'il a, c'est que madame, il n'est pas assidu en cours. Tous les professeurs se plaignent de lui. Mm-hmm. Je suis professeur principal et je suis obligé à chaque fois de le reprendre. Il ne fait rien, il n'écoute pas en cours. Allez, mon chapeau, vite, vite, vite fait. C'est un chien comme ça. Ah non, je vous ai déjà dit, je ne suis pas votre égal. Il ne fait aucun effort, madame. Aucun effort. Si je vous ai compris quoi aujourd'hui, c'est que vraiment son bulletin. C'est le bulletin. C'est son bulletin. Même quand je n'ai pas fini la scolarité. Justement, regardez. Il y a au moins 15 absences à l'intérieur. Sur 20 matières. Papa. 15 absences sur 20 matières, madame. 15 absences sur 20 matières. Je vais le lire, j'ai quand même lu. Et on écrit quoi sur ça? Madame, actuellement, sur la plupart des notes, il y a marqué absent. Mm-hmm. Aucune appréciation. Donc il ne vient pas à l'école. Aucune présence. Personne. Et pour les 5 cours auxquels il était présent, il n'a que des 0. Et il a un 0,5. Mais en sport, j'ai une bonne note. Et c'est le sport où tu feras ta vie. Tu vas devenir qui? Tu vas devenir quoi? Sportif de tomates? En tout cas, madame, par rapport à la scolarité déjà, il faudrait qu'on règle la scolarité. Oui, mais papa, s'il te plaît, je peux même te donner. Attends. Papa, prends le sein, on va un petit changement sans le temps. Papa. Non, madame, ça fonctionne pas comme ça. Ouais, papa. Non, je suis désolé, mais non, désolé. Juste en tout cas, madame, il faut essayer de régler la scolarité déjà et essayer de parler avec lui. Il faudrait qu'il fasse un effort. Je là, c'est possible, madame. Moi, je suis fatigué. Il risque d'exclusion. Il risque d'être exclu à ce niveau. Monsieur, où allez-vous? Je vous attends dehors, c'est bon. Vous voyez. Adoptez-le dans le col, c'est. Adoptez-le. Moi, je me suis fatigué. Adoptez l'enfant. Adoptez. Moi, je l'adopte. Merci, papa. À la prochaine. This man! Makembe Amand, pourquoi tu ne veux pas fréquenter? Tu ne veux pas fréquenter pourquoi? On fait quoi en classe? Tu n'es jamais là. On fait les appels, tu n'es pas là en classe pour dire que tu es présent. Petits examens, tu n'arrives pas à valider même, ne serait-ce que deux matières pour au moins mettre un petit sourire sur moi. Tu ne peux pas. La chambre de la scolarité? Pardon? À cause de la fin de la scolarité, on ne sait pas ce que tu fais à l'école avec. Ce que tu connais faire, c'est manger. Regarde ton bulletin, ça me donne même la chaleur à l'hiver. Le bulletin me donne la chaleur à l'hiver. Jesus is Lord! Tu fais. Non. Es-tu rire? Non, t'en fais pas. Je m'en fais pas. Non, je t'écoute, Maton, je t'écoute. Je t'écoute. Tu me. Et t'avais dit d'enlever le beaucoup que tu as aux oreilles, non? Oui. Je vais les changer. Regarde le bulletin. Mais j'ai une bonne note en sport. Tu as une bonne note en sport. Tu n'en fais pas demain avec le sport. On va t'amener dans le bureau pour courir. We do keep quiet. Je vais être footballeur. Et faut quoi? Footballeur dans la famille des trucs. Tu ne veux pas étudier pourquoi? Regarde les autres. Il y a pas l'eau à la maison. Il y a l'eau. Il y a le savon, non? Oui. Il y a la lumière. Oui. Tu dis oui. Mais pourquoi tu me frappes maintenant? Et mon argent de poche, c'est comment alors? Donc tu es sûr comme ça, tu veux encore l'argent de poche? L'argent de poche est dans ta poche. Enfant bâtard, merde! Il part toujours. Je veux voir ce que tu vas manger ce soir. Tu te touches pas, mais tu es un peu là-bas, tu vas me sentir. Enfin, bâtard. Bon, vu que ma tante Majaki ne veut pas me donner de l'argent de poche et que je n'ai pas envie d'aller travailler, j'ai décidé de manger pour me faire un peu d'argent.
bas, ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Ouais, tiens. Ça va aller, t'inquiète. Je connais. Tu vends des fruits? Ouais, je vends des fruits. Pourquoi faire? T'as pas de parents? Si, j'ai des parents, mais comme mes parents ils touchent pas assez, donc du coup je les aide. Je me débrouille pour pouvoir payer la scolarité, tu vois. Donc c'est pas facile, mais on tient le coup. Bon, bon courage mon gars. C'est bon chef, j'ai effectué toutes les tâches que vous m'avez demandé. Bien, c'est bien mon petit. Merci beaucoup chef. Merci beaucoup. Ça va beaucoup mieux. Merci. Ah, bonjour patron. Bonjour. C'est bon, j'ai fini le ménage. Ah, c'est bon, t'as fini hein. J'ai fini. Déjà. Merci beaucoup patron. Je vais rendre ma tante fière de moi. Bienvenue madame. Merci beaucoup mon fils. Tout va bien. Tu vas bien, c'est excellent. Je tiens surtout à vous féliciter déjà. Attends, oh mon fils, je comprends pas comment vous faites des études pédagogiques. Ah, enfant, mais tu vas bien, tout c'est excellent. Comment est-ce que tout te sent? Non, madame, au contraire, justement, je sais pas ce que vous avez fait, je sais pas ce que vous l'avez dit. Mm-hmm. En tout cas, ça a marché à la perfection. Perfection, un enfant bâtard. Je vous dis la vérité, sa mère monte. Je suis son tante qui prend soin de lui. C'est un enfant qui est vraiment têtu. Je sais pas vraiment d'où est cet enfant sort. Madame, très bête. Madame, bête comme sa mère. Madame. Je comprends, je sais que Armand fait des trucs terribles. Il est passé par une période assez compliquée. Je pense que cette période elle est passée, vous voyez. En tout cas, actuellement, regardez, madame. C'est un enfant qui ne voulait pas étudier. Madame, regardez. Un irresponsable. Ah, excusez-moi, j'ai oublié que vous savez pas lire. J'avais dit que je ne connais pas. Je sais quoi, actuellement, madame, il a vraiment évolué. Présent à tous les cours. Il revient dans la perdition, le chemin de la perdition. Madame, il était présent à tous les cours. Il n'a manqué aucun cours. Ah, il a choqué le professeur. L'enfant, hein? Madame, même les notes sont incroyables. Ah bon? Actuellement, il a eu un 18 en mathématiques, madame. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah, mon fils Armand! Je sais qu'il a eu un 18 en mathématiques. Je vous dis pourquoi. On vient d'une famille très intelligente. C'est un enfant qui était toujours de joie. Quand tu parles à maman, il suit directement et il fait. C'est mon fils! C'est mon fils! En tout cas, c'est fabuleux, madame. Oh là là! J'ai pas besoin de trop vous en dire. En tout cas, vous pouvez être fier de lui. Même la pensée, la pensée. J'ai toujours eu confiance en lui. C'est un que je peux compter sur lui. Exactement. Tu comprends? La scolarité, elle est réglée. Oui, c'est moi qui avais envoyé l'argent. J'avais envoyé l'argent en cachette et il a fait le fait. Donc, merci beaucoup, papa. Je sais que mon fils, il est capable de tout. Il est capable. C'est mon fils unique. Croyons-lui et félicitez-le de ma part. Je crois en Jésus-Christ. Ne n'abuse pas dans tes paroles. Je suis une maman de Dieu et je reste sainte. Je crois en Jésus-Christ. Ne crois pas en mon fils. Et quand je te parle, mon fils, je sais que tu es directeur, mais tu ne me regardes pas dans les yeux. Ne me regarde pas dans les yeux quand je te parle, ça m'a fait. Tu regardes le sol, tu m'ignores, mon fils. Je te parle, tu regardes le sol. Mon fils, je te parle, tu regardes au sol. Oui, excuse-moi. Et tu t'excuses, c'est moi qui t'excuse de t'avoir trompé sur mon enfant. Tu comprends? Je comprends tout à fait. Oui. Désolé d'avoir douté de lui et de vous avoir regardé dans les yeux. Ne me regarde pas, et ne regarde pas au sol quand je te parle, mon fils. À gauche? Je suis gauchetière. Mon fils, je parle, tu regardes soit au sol, comme si j'étais un enfant satanique. À gauche, comme si je suis gauchetière. Il va rester un petit, tu vas regarder à droite. Je ne suis pas droitière. Madame, vous pouvez y aller, madame. Merci. Maintenant, tu me chasses de ton bureau. Un sale bureau. Bureau où on m'a accueilli, où on pousse à me dénigrer les enfants. Écoute comment on crie. Tu es dans un bureau à côté de la route. Avoir un enfant comme un Armand dans ta vie. C'est mon fils. Le fils unique que j'ai eu. Tu as dit que c'est un bête. Je mentais. Et il faut nettoyer les toiles d'araignée dans ton bureau.
Que le Seigneur te garde, te guide, te protège, donne ta vie. Adieu. T'as compris? Merci, madame. Merci, bonne soirée, madame. Bonne soirée. Prends soin de toi, mon fils. Que le Seigneur te garde, te guide, te protège. Amen. Mon fils, quand on dit que le Seigneur te garde, te guide, te protège, c'est amen. Que le Seigneur te garde, te guide, te protège. Amen. Tu vas bien. Tu vas bien, Jésus, tu vas savoir. Bon la famille, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Du coup, regardez comment le tournage était compliqué. Regardez les backstage. Let's go. Ah ça va bébé. Ça va et toi mon cœur? Ça va. Du coup t'as ramené le... Vas-y, on pourtant tout l'argent que j'avais, je t'ai donné de payer la pension avec. Voilà le bulletin. Ton bulletin me donne... On va vous faire pension. C'est ce qu'on disait par rapport à la pension, la discolarité. Tu devais profiter de cette chance. Tu ne peux pas étudier, pourquoi? Il y a l'eau à la maison, non? Oui. Il y a le savon, non? Oui. Il y a la lumière, non? Non, mais de toutes les façons, j'essaie de faire de mon mieux, mais après l'école... Carré. Tu es directeur, mais tu ne me regardes pas dans les yeux. Ne me regarde pas dans les yeux, je te parle, ça manque de respect. Tu regardes le sol, tu m'ignores, mon fils. Je te parle, tu regardes le sol. Comment c'est compliqué? Et de vous avoir regardé dans les yeux. Ne me regarde pas, et ne regarde pas au sol quand je te parle, mon fils. À gauche? Je suis gauche, tiens.